Il y a eu beaucoup d'hypothèses hein, sur l'arrestation de la famille Franck, sur une éventuelle dénonciation. Je dis éventuelle parce qu'on n'est pas sûr non plus qu'elle ait, cette famille ait été dénoncée. Donc une prudence dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, un questionnement. Voilà, du point de vue de l'historien que je suis, est-ce que c'est vraiment un sujet en fait? Voilà, c'est de mon point de vue et du point de vue de l'historien, c'est pas vraiment un sujet. On n'a pas besoin de savoir. Et le risque, c'est d'oublier qui sont les véritables responsables du destin tragique d'Anne Frank et de sa famille. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de savoir, mais j'observe depuis hier soir un tapage absolument phénoménal au regard du poids historique, en termes d'histoire, de cet événement, en fait. Ça me semble totalement démesuré. Alors, c'est démesuré parce que c'est Anne Frank. Et votre chroniqueur a rappelé que près de 30 millions de livres ont été vendus. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des films, il y a même eu un manga japonais. Bon, bref. Mais au-delà de cela, je pense que ça n'apporte en fait rien à l'histoire, à la grande histoire. Ça ne permet pas de comprendre les processus, ça ne permet pas de comprendre ce qui était à l'œuvre et les enjeux. En revanche, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut faire très attention, me semble-t-il. On peut avoir tendance, et certains peuvent se servir de cette histoire, pour déplacer la culpabilité des nazis aux juifs, en fait, en disant, regardez, finalement, ils ont participé eux-mêmes à leur massacre, au crime des nazis. Et c'est une manière peut-être pour certains de se déculpabiliser aussi, de manière peut-être inconsciente, hein, mais de se déculpabiliser. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce livre est un livre hollandais. Il y avait 160 000 juifs aux Pays-Bas en 1940. 80% ont été assassinés pendant la Shoah. Et ces 80% assassinés pendant la Shoah, c'est le plus gros pourcentage après la Pologne, hein, l'ont été aussi avec une très grande collaboration des services de police et de l'administration hollandaise. La base, j'imagine que ça vous a frappé, parce qu'effectivement, on n'a pas le livre, mais on a eu des extraits. La base qui permet à cet ex-enquêteur du FBI d'accuser ce juif d'avoir dénoncé Anne Frank, c'est une lettre anonyme. Oui. Vous avez vu cela, c'est une lettre anonyme adressée au père d'Anne Frank. Oui, tout à fait. Enfin, quand on connaît la valeur et le rôle des lettres anonymes sous l'occupation... Mais c'est-à-dire que, moi je n'ai pas encore eu le livre, ça me semble bien maigre en termes de sources historiques utilisables. Finalement, il y a cette lettre anonyme que Otto Frank avait gardée, hein, d'ailleurs, hein, le père d'Anne Frank, et qu'il n'avait pas divulgué, enfin qu'il n'a pas divulgué tout de suite. Mais est-ce que ça suffit? Alors j'ai vu que bon, ils ont utilisé la 3D, l'intelligence artificielle, etc. Bon, tout cela me semble faire beaucoup de bruit pour, en réalité, pas grand-chose. Et pour rebondir sur ce que disait Patrick, Otto Frank aurait pu, finalement, en utilisant ce document, dénoncer l'action ou demander qu'on enquête un peu plus avant. Il ne l'a pas voulu. Est-ce que ce peut être parce qu'il ne pensait inconcevable qu'un juif ait dénoncé sa fille juive? Je ne sais pas, mais vous savez, ce n'est pas une question nouvelle, en fait, même dans l'historiographie. Dès les années 50, en Israël, la question se posait de savoir si les conseils juifs qui avaient été mis en place par les nazis, parce que ce sont les nazis qui ont mis ces choses en place et qui ont poussé des gens dans des situations absolument abominables, à faire des choix absolument terribles. Dès les années 50, il y a une discussion sur les conseils juifs. Sont-ils des collaborateurs des nazis ou ont-ils essayé de limiter la casse? Voilà, ce sont des vieux débats, en réalité. Et on sait très bien que dans les ghettos, des gens ont balancé d'autres personnes, mais juste pour survivre. Qui peut se permettre aujourd'hui, qui pourrait se permettre de porter un jugement moral sur une situation absolument abominable? Un mot sur Anne Frank, Émilie. Oui, le fait que ce soit aussi qu'une enfant, vous le disiez un peu, que son discours demeure positif malgré tout, innocent, avec des détails sur sa vie de famille. En lisant son journal, on s'est surtout tous mis à sa place. Est-ce que c'est son journal qui est l'un des meilleurs livres d'histoire, un meilleur récit d'histoire finalement? Alors, je ne sais pas si c'est un des meilleurs récits d'histoire. C'est un récit qui frappe, parce qu'effectivement, quand on lit Anne Frank, on est tous, garçons ou filles d'ailleurs, tentés de se mettre à sa place et de s'imaginer ces 2 ans dans ce réduit, comment moi j'aurais vécu à sa place. Et puis on sent l'éveil de l'adolescente, on sent cette innocence, cette capacité aussi extraordinaire qu'elle a à réfléchir, à penser, à écrire. On s'est tous mis à sa place. Donc c'est un évidemment grand livre. D'ailleurs, ça a été classé, je crois, numéro 19 des 100 livres les plus grands livres du 20e siècle par les Français. Vous voyez, donc c'est pas un hasard. Ça, elle est devenue un symbole. Elle est évidemment un symbole. C'est le symbole de cette innocence dont vous parliez face à la barbarie nazie. Il ne faut pas oublier, d'abord, je le répète, je me permets de le répéter, que les responsables de cela, ce sont les nazis, et seulement les nazis. Et la deuxième chose, c'est qu'ils s'en sont pris là,
mais comme partout ailleurs, ils ont assassiné 1,5 million d'enfants juifs. Ils s'en sont pris là au symbole de l'innocence, en fait. C'est la barbarie contre l'innocence. Bernard Cazeneuve, une réaction ? Non, je pense que ce qui vient d'être dit est exactement ce que j'éprouve à chaque fois qu'on évoque ces questions de façon très, très profonde. C'est le combat entre la barbarie et l'innocence et la monstruosité de ce que la barbarie a pu construire de comportements, de processus pour aboutir à l'élimination de tout un peuple. Et par ailleurs, ce débat que nous avons renvoie à ce que sont les faits de l'histoire. Hein, sur le sujet dont on parle à l'instant, il y a eu des débats au cours des dernières semaines sur des régimes qu'on a eu tort de mettre au banc de l'histoire au motif qu'ils auraient protégé des Français juifs en livrant, etc. Qui aurait sauvé des Juifs français. Bon, exactement. Donc, Éric Zemmour doit être jugé en appel ce jeudi. Ce que je veux dire à ce sujet, c'est que la seule chose qu'il faut retenir est le regard très clair de Simone Veil nous le rappelait en permanence, qui portait en lui toute cette souffrance accumulée avec cette immense pudeur, cette grande dignité, cette retenue constante. La monstruosité était là pendant 5 ans, avec cette barbarie abjecte et cette volonté d'exterminer tout un peuple et de le faire avec vraiment une cruauté, une monstruosité convoquée à chaque instant. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Jeudi, ce procès en appel pour contestation de crimes contre l'humanité, c'est le fait que Éric Zemmour avait affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français. Oui, les historiens, aujourd'hui, les plus sérieux, nous disent tous que jamais le maréchal Pétain n'a sauvé les Juifs français. Et ce qui s'est passé, c'est que le maréchal Pétain et le régime de Vichy ont eu l'opportunité de se débarrasser, et j'emploie à dessein ce terme, des Juifs étrangers. Dans un premier temps, il ne s'agit pas de sauver les Juifs français, il s'agit de se débarrasser des Juifs étrangers. D'abord.